Et salut à tous et bienvenue ici à Los Angeles pour une nouvelle preview en direct des Play Days du Summer Game Fest. Nous sommes ici devant le stand Capcom puisque j'ai pu découvrir Monster Hunter Wilds pendant plus d'une demi-heure. Alors je n'ai pas pu y jouer malheureusement. Cette fois j'ai pu découvrir le jeu grâce à une présentation organisée par les membres de l'équipe de développement de Capcom. Et donc au cours d'une demi-heure j'ai pu en savoir un petit peu plus sur le jeu. Ils nous ont donné pas mal de détails que je vais vous révéler tout au long de cette vidéo. Alors moi je tiens à le signaler, je ne suis absolument pas un fan de Monster Hunter, je ne suis pas un joueur Monster Hunter. J'ai toujours eu du mal, mais je sais au combien cette licence est chère au cœur de nombreux joueurs. Donc je vais essayer de vous faire la preview et de vous dévoiler les informations les plus précises et les plus complètes possibles. Mais je me retiendrai de donner mon avis parce que, effectivement, déjà, je n'ai pas trop de points de comparaison par rapport aux anciens Monster Hunter. Donc là, c'est vraiment une preview qui vise surtout à titre information, vous dévoiler un petit peu toutes les informations que les développeurs nous ont données. Alors, d'autant plus que j'ai un petit souci à la preview puisque le jeu a crashé deux fois. Et ils nous ont bien dit, attention, c'est vraiment une version early development. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont être améliorées, peaufinées au cours des prochains mois puisque je vous rappelle que le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series X, Series S et PC pour 2025 sans plus de précision pour le moment. Donc déjà, Monster Hunter Wilds, qu'est-ce que l'on peut en dire si ce n'est que c'est un opus qui nous plonge dans les rangs d'une équipe spéciale de la commission de recherche qui va enquêter sur les terres interdites. C'est le nouveau lieu terrain de jeu sur lequel se déroule ce nouvel opus. Pour la première fois de la licence, il sera entièrement doublé en VF. Alors ça va faire plaisir à beaucoup de joueurs qui justement ne parlent pas forcément anglais, qui ont un petit peu la flemme de lire. Et bien là, cette fois, le jeu sera entièrement doublé en français. On a plusieurs nouveaux compagnons pour nous suivre dans nos aventures, dans nos chasses aux monstres, notamment avec Alma, une assistante nommée par la guilde. On retrouvera également pas mal de petits compagnons. Là, celui qu'on avait actuellement pour nous accompagner tout au long de l'aventure, c'était Palico qui nous suivait et qui nous aidait un petit peu à traquer les monstres. Ce Monster Hunter nous proposera de chasser des monstres dans de nouveaux biomes multidimensionnels qui pourront se transformer de manière inattendue. C'est-à-dire que ça, c'est un truc assez impressionnant lorsqu'on a vu la chasse aux monstres. Alors très clairement, en une demi-heure, et on a eu le temps de chasser un seul monstre, vous allez voir que les monstres entre eux se chassent. Alors je ne sais pas si c'était le cas actuellement dans les anciens Monster Hunter, mais là vraiment, lorsque vous allez chasser un, deux ou trois monstres, vous allez vous déplacer au niveau de différents biomes. Si vous arrivez sur un nid ou un lieu où il y a d'autres monstres, les monstres entre eux vont s'attaquer, etc. Donc ça va à la fois vous aider, mais des fois les deux monstres peuvent se retourner contre vous. Donc là, ça vous aide pas du tout. Donc là, c'est plutôt intéressant et vous allez voir que justement tout ce qui est vraiment votre environnement va interagir et va pouvoir vous aider. Par exemple, on a eu une grande séquence qui était assez impressionnante dans un gros désert avec des immenses dunes. Et ben en fait, les monstres étaient trop nombreux et en fait, ça a créé un écoulement. Et du coup, en fait, tu as tous les monstres qui se sont fait ensevelir par les dunes, etc., par le sable. Donc, c'était assez impressionnant. Après, il y a eu un combat dans une grotte où là, pareil, en fait, les monstres en se poussant contre les rochers, on avait des énormes rochers qui tombaient du plafond. Donc, il faut faire attention à nous, ne pas se faire écraser, etc. Mais ça montre qu'il y a des environnement destructible, etc. Et je trouve que c'est assez impressionnant. En tout cas, ça avait de la gueule, ça rendait plutôt bien. Dans ces biomes, nous retrouverons des animaux sauvages qui vont s'acclimater à leurs environnements. Donc on nous a donné plusieurs races de nouveaux monstres et je m'excuse par avance de ma prononciation. Nous avons les Daltidons, voilà. Nous avons les Wyvernais.
herbivores qui migrent de façon saisonnière. Et nous avons les cératonos qui comptent sur les mâles pour protéger les troupeaux des orages violents grâce à leurs cornes dorsales qui, bien développées, servent de paratonnerre. Voilà un petit peu parmi les nouveaux monstres que l'on retrouvera dans ce Monster Hunter. Alors je pense que ça parlera peut-être aux fans ou pas, mais en tout cas moi ça me parle pas du tout. Côté gameplay déjà, on sait que le gameplay des Monster Hunter est déjà bien apprécié par les fans. Il est assez dynamique et assez, on va dire, efficace. Et bien celui-ci a été une nouvelle fois amélioré dans ce Monster Hunter Wilds afin d'évoluer à travers de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Capcom nous proposera un nouveau type de monture avec les Secrets qui permettront de guider leurs cavaliers jusqu'à leur destination et permettront aux chasseurs d'effectuer des actions en cours de route comme aiguiser des armes, rassembler des matériaux et manier la fronde. Et on va pouvoir vraiment se battre sur ces nouvelles montures, ce qui rajoute forcément pas mal de dynamisme au combat, qui fait que ça a... Enfin, même moi qui suis pas trop joueur Monster Hunter, etc., que c'est pas le jeu qui m'aide de trop, le combat était quand même assez très dynamique, ça envoie du pâté. Entre vraiment les environnements destructibles, le côté dynamique quand on saute sur sa monture, qu'on sort son arme, on tire à distance, puis on saute de sa monture pour continuer à pied, enfin vraiment ça bouge dans tous les sens, il n'y a aucun temps mort et ça c'est plutôt agréable. Pour ce nouvel opus, Monster Hunter Wilds propose un nouveau moteur graphique InGen qui permettra de passer de la phase cinématique à la phase de gameplay sans changement. C'est-à-dire que vraiment le moteur in-game sera le même pour les cinématiques et pour le gameplay. Et donc lorsque vous êtes dans une phase de cinématique et qu'après vous allez tranquillement reprendre le jeu, vous ne verrez même pas la différence à quel point vraiment. Et c'est vrai que graphiquement, ça envoie. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le jeu le plus beau de la génération. Hein, mais... pour un open world de cette intensité, il y a quand même pas mal de détails. Graphiquement, c'est plutôt joli. On a une bonne distance d'affichage. Moi, j'ai été plutôt convaincu et satisfait. Monster Hunter Wilds proposera le retour de 14 types d'armes emblématiques de la série. Et parmi les nouveautés, le jeu introduit un nouveau système tel que le mode focus qui permet aux chasseurs de se concentrer plus précisément pour la viser avec des actions défensives et des actions d'attaque qui permettent de cibler vraiment les points faibles des monstres et qui nous permet tout simplement de pouvoir prendre plus facilement l'ascendant et de pouvoir faire des dégâts critiques qui nous aideront à tout simplement en venir plus rapidement à bout de ces grosses bébêtes qui sont pas faciles à... y a Melinda de BFM qui passe, qui ne sont pas faciles à tout simplement exterminer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On a une nouvelle grappe fronde qui offre également aux chasseurs des capacités supplémentaires, notamment des actions contextuelles et la possibilité de collecter des objets à distance, même lorsqu'ils vous montez sur votre nouvelle monture, sur, je le rappelle, le Skytred. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez devoir récupérer du loot ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé désormais de descendre de votre monture, d'aller vraiment sur l'endroit, etc. Vous avez un petit objet qui vous permet tout simplement d'attirer les ressources à vous. Et ça, on va pas se mentir, ça va rajouter là encore du dynamisme au gameplay et ça évitera de faire perdre pas mal de temps. Au niveau de la présentation que j'ai pu avoir, comme je vous l'ai dit, graphiquement je trouve le jeu plutôt très joli avec une très belle direction artistique. Il y a de la vie dans les petits villages, c'est-à-dire que la démo a commencé dans une sorte de hub où ça fourmille d'habitants, de PNJ. On peut parler quasiment à tous les PNJ. J'ai beaucoup aimé un petit peu ce côté interactif et ce côté vraiment monde vivant. On peut chercher directement les monstres sur notre map et donc ils s'affichent sur notre map, on les sélectionne et après on lance la quête pour aller les chasser. On peut créer des mini-camps rapides quasiment n'importe où sur la map qui permet de faire spawn une petite tente. Et lorsque vous rentrez dans cette tente, vous pouvez améliorer vos armes, améliorer vos équipements. À l'extérieur de la tente, vous pouvez faire un petit feu de camp qui vous permet de cuisiner pour regagner de la vie, des compétences, etc. La map semble assez immense avec une zone désertique et donc les dunes très impressionnantes. C'est là que je vous ai dit, c'est cette séquence où les monstres sont arrivés, qui se sont fait ensevelir. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des paysages qui changent entre vraiment les côtés désertiques, rocailleux avec les cavernes, etc. J'ai beaucoup aimé ces différents changements de panorama. On a plusieurs façons d'attaquer les monstres. Vous pouvez y aller directement au corps à corps ou utiliser désormais des armes à distance qui permet en fait de cibler plus précisément leur points faibles. Si par exemple vous avez un gigantesque monstre et que son point faible c'est sur le sommet du crâne, c'est peut-être pas facile d'y aller avec votre épée ou quoi que ce soit. Là vous avez des gros fusils qui vous permettent de viser et avec le mode focus qui permet de se concentrer, on peut viser de manière encore plus précise pour viser le 1000
et leur enlever pas mal de points de dégâts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que l'on peut combattre les monstres en solo accompagné de notre compagnon, comme je vous l'ai dit, là on était avec Palico, ou combattre avec d'autres joueurs. Et une fois le monstre tué, vous pouvez loot des ressources qui vous permettront d'améliorer votre stuff, d'améliorer votre personnage, etc. Voilà pour ce que je peux vous dire sur Monster Hunter Wilds lors de cette présentation de 25 minutes. Alors, peut-être plus 20 minutes parce qu'avec les deux crashs on a perdu 5 minutes, mais on a pu voir en tout cas la quête et le combat de monstres qui, comme encore une fois je vous le dis, était assez impressionnant. Je vous rappelle que le jeu est attendu pour 2025 sans plus de précision. On ne sait pas si c'est début, milieu, fin 2025, mais en tout cas ça arrivera sur PS5, Xbox Series X, Series S et PC. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes hype ou non par ce Monster Hunter, si vous l'attendez ou non. On n'oublie pas donc le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent avec les previews, les vlogs du Summer Game Fest. On reste à Los Angeles jusqu'au 17 juin. Il y a des choses à vous montrer, donc restez connectés.